born corrupted, as I do not believe in original sin. However, I have been corrupted by life, by circumstance, and by my own foolishness. And that's what makes us who we are. We are all searching for that one moment when the music captures our soul. We live for the music. We die for our music. And that's what makes us who we are. These things trouble me the most. I want to be pure, but I fall so short. Corrosion, rust, death, and failure haunt my every breath and step, and yet I live and write while corrosion bites. And that's what makes us who we are. We are all searching for that one moment when the music captures our soul. We live for the music. We die for our music. And that's what makes us who we are. While corrosion bites, it shows there's some strength in me. While corrosion bites, it shows there's some strength in me. Possibly, maybe, decidedly, I will persist. We have a mission. We are all searching for that one moment when the music captures our soul. We live for the music. We die for our music. And that's what makes us who we are. We are all searching for that one moment when the music captures our soul. We live for the music. We die for our music. And that's what makes us who we are. We are all searching for that one moment when the music captures our soul. We live for the music. We die for our music. And that's what makes us who we are.
says I do not believe. Your suffering will be legendary even in hell. Your suffering will be legendary even in hell. Merci Pinhead. C'est sa façon de nous dire bonsoir. Moi je vais être un peu plus bienveillant, je vais vous dire tout simplement bonne soirée à vous. J'espère que nous allons passer une bonne d'ailleurs. Je suis complètement fatigué, mais nous allons quand même continuer cette partie 2, je crois qu'on est à la partie 2, oui bah oui, on a commencé qu'hier, de Amnesia, que je trouve très bon, ça me plaît beaucoup, jeu de 2010, mais qui tient encore, qui tient la route, hein. Qui tient très très bien la route même. J'aime le côté, je pense qu'il a été précurseur de pas mal de choses, qui date de 2010. J'aime, pour l'instant j'aime les énigmes, je trouve qu'il nous prend pas pour un con, c'est un jeu assez adulte. Enfin, il me plaît, j'aime l'idée qu'on soit obligé de se lancer dans le jeu, hein. Et tout de suite, hop, si j'arrive à me foutre dessus, voilà. J'aime l'idée, en plus on a le son, c'est très bien. J'aime l'idée de l'alternance entre la lumière, enfin je veux dire de qu'on soit obligé d'utiliser notre lampe torche, enfin notre lanterne. Pourquoi il veut pas la prendre là? Peut-être parce que j'en ai plus. Tout simplement. Oui, elle est vide. Très bien. Alors, oui, j'aime l'idée qu'on soit obligé d'aller se planquer à de la lumière, qu'on soit obligé d'éviter les ténèbres. Donc c'est pas du Outlast où on ne fait que fuir. Il y a quand même un côté où on progresse en allumant des torches. Ça me plaît énormément. J'adore tout ce qui est on progresse petit à petit. Ça me plaît. Bon, je vais continuer. On avait fini le laboratoire, alors voilà, attendez, quand même, qu'on fasse un petit bilan d'où on en était. Dans le laboratoire, on a récupéré trois ingrédients. On a du cuprite, de l'orégal et de l'orpiment. Non, on en a récupéré 4, pardon, et de la calamine. En regardant la VOD, je me suis rendu compte qu'il y avait un laboratoire, je pense que c'est là qu'on va pouvoir faire le mélange. Hein, 6 mélanges il y a, donc on va ressortir de cette zone. Et on va retourner au hall d'entrée. Après avoir enduré 3 jours à Alger, un bateau à voile fut finalement arrangé pour lui faire traverser la mer méditerranéenne et l'emmener à Gibraltar. Après avoir atteint le territoire britannique, il n'y avait plus qu'à réserver une cabine sur le SS Hortensia qui s'est dirigé vers London. Ok. Oula, oula, oula. Le mucus. Alors, je ne sais... Oh putain, faut vite qu'on se casse, j'imagine. On s'est pris un coup là. Hein. Cave à vin, bah c'est marqué. Hein. Et le laboratoire. Là, on revient de la cave à vin. Hein. Non, on était au laboratoire. Bah, je vérifie vite fait. Parce que normalement. On devrait aller au laboratoire pour faire notre mélange. Les vêtements sentaient le désert et le musc humide. Les morceaux étaient retournés au-dessus. Un peu trop, pensa-t-il, ou peut-être trop peu. J'aime bien le côté, c'est assez littéraire. Hein. Oui, voilà, donc. C'est ici qu'on va aller faire notre subtil mélange, je pense. Le sound design est très bon. Ce qui est bien, et ce que j'apprécie aussi, c'est que les torches, je l'ai déjà dit, mais restent allumées. Ce qui nous évite d'avoir à tout refaire. Là, il y a un type. Non, c'est du Keltar. J'ai mis un petit peu plus de luminosité. Hein. Je pense que ça va être un peu plus confortable pour vous. Et ainsi que pour moi. On va retourner au labo. Parce que j'ai vu qu'il y avait une... Un espèce de... Comment dire? Pas ça. Non, ça c'était... c'est pour allumer le feu. Je cherche un espèce de... Bah voilà. Quatre produits chimiques différents sont nécessaires pour continuer. Bah voilà, au moins on n'aura pas perdu de temps. Voilà. Voilà. Alors je sais pas, hein. Là je fais un peu au pif. Ce que j'ai fait, c'est passé quelque chose. Là, ça a déblayé quelque chose. Hein. J'ai mis tous les produits là.
Il me reste de la calamine. Je sais pas si j'ai mis dans le bon ordre parce qu'il y avait quand même un... On a eu un fichier. Et ça, c'est pour une... Le Laudanum, c'est une orthèse médicale destinée à améliorer l'état de santé et à faciliter la guérison des blessures. Moi, je suis comment en santé? Quelques coupures et contusions. Un léger mal de tête. Bon, on n'est pas trop mal, on va dire que ça va. C'est marrant parce que c'était déjà déblayé. Ah, avant que je mette le dernier. Oula, oula, oula. J'ai plus de Mamadou. Ah, l'escalier s'est cassé la gueule, voilà, c'est ça qui s'est passé. Donc il va falloir qu'on résolve une énigme ici, hein. Voilà, il va pas bien, il va pas bien, il va pas bien. Attendez, on peut prendre quelque chose? Les brûleurs doivent d'abord être allumés. Qu'est-ce que j'entends? Salut Vénus. Bienvenue à toi. Les brûleurs doivent déjà d'abord être allumés. Maintenant, enfoncez le bouton gauche de la souris et exécutez un mouvement circulaire avec la souris pour tourner la roue. La roue tournera dans la même direction. Ok. Voilà. 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 Alors, je sais pas si on a bon, hein, mais... Il faut un récipient en dessous de l'objet. On a ça, je crois. Aucune combinaison possible. Vous ne pouvez pas utiliser l'objet de cette façon. Ah bon? On est obligé de le refaire. Attendez. Qu'est-ce que j'ai mal fait? On a un récipient, je regarde. Flacon chimique. Un flacon peut contenir des mélanges de toutes sortes. Oui, on voit bien là. Aucune combinaison possible ici. Bah, faut bien qu'on le mette là. Et regardez, il devient... Ah voilà. Bon, le jeu est un petit peu coquin, hein. Voilà, on recommence. Allez. Comment j'ai fait tout à l'heure? Non, là c'est bon, hein. Excusez-moi, mais la souris... Non, mais la souris veut plus. Là, c'est bon. Mais pourquoi il repart dans l'autre sens? Je ne demande pas du tout. Je fais toujours le même mouvement et ça me le... C'est l'unique ta race. Ah voilà. Voilà. Alors toi Nictaras, on est retourné dans le labo. Et dans le labo, quand j'ai regardé la VOD, je me suis rendu compte qu'il y avait bah ça. Et j'ai mis les 4 produits. Et là je suis en train de les faire chauffer. Je me bats en même temps avec la souris. Et normalement, voilà. On a ramassé le flacon d'acide. Bon, ça va nous permettre, le flacon d'acide, j'imagine, de cramer le mucus. Oui, en revoyant la VOD, j'ai vu qu'il y avait un espèce de truc où on pouvait manœuvrer, quoi. Par contre, ce qu'il y a eu, c'est que l'escalier s'est pété la gueule. Alors, c'est peut-être pas problématique. Mais j'ai pas envie de m'amuser avec les caisses à nouveau, hein. J'ai bien peur qu'on soit obligé.
Hein? Oh putain, mais j'espère que c'est ça, hein, parce que tout la dernière. Cramons le mucus avec l'acide, évidemment. Évidemment, je suis d'accord avec toi. Je suis souvent d'accord avec toi. Tara, je suis souvent d'accord avec toi. Non, non, c'est pas ça, là, on est en train de faire n'importe quoi. Non, là, on peut pas y aller. Non, non, on est obligé de remonter à l'escalier. En fait, je sais pas jusqu'où le jeu est permissif. C'était vraiment une galère, les acrobaties avec les caisses. Non, mais en fait, il n'y a pas besoin. On pouvait pousser les rochers, mais bon, moi, je pouvais pas imaginer que... Je pouvais pas deviner que le personnage pouvait bouger des rochers. Voilà, c'est ça. Mais bon, on a fini par trouver, évidemment. Ah, il veut pas, hein. Il veut pas. Bon, il faut remonter, hein. Le mucus, il est là-haut. Hop. Non, mais heureusement que j'ai revu la VOD. J'ai remis un petit peu de luminosité, d'ailleurs. Ça va être plus agréable pour vous, je pense. C'est bon. Ok, c'était bien ça qu'il fallait faire. Allez, on y va. On retourne dans le hall d'entrée. Oui, j'ai revu la VOD, donc j'ai rajouté un peu de luminosité. Je pense que ça va être plus confortable. Mais oui, j'ai galéré, j'ai perdu une demi-heure hier. Ce qui est dommage, parce que ça aurait fait une VOD parfaite, sinon. Mais heureusement que je l'ai revue, cette VOD, hein. Et que j'ai revu le labo. Oula, 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 oula. Oula, 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 oula. Là, on s'est pris un petit coup. Mais bon, on retourne voir le mucus. À la raffinerie. Là, c'est résistant et flexible. Ça ne peut être cassé ni à la main, ni avec des outils. Je sais. Nous allons utiliser l'acide. Flocon d'acide, il est rempli d'acide. Et voilà. Et voilà. Alors. Et là, on va à la raffinerie. Mon dieu, ça avance vite. On ne les voit jamais, tes ennemis. Si on en a vu un de dos, à un moment donné. C'est toujours les créatures bipèdes et dégueux. On en a vu qu'une. C'était un bipède, ouais. Hi Vénus. Salut William. Hi William, how are you? Bon, on trace parce que là, on a plus de Mamadou. Et on a plus de torche. Sure is dark in here. Yes, and there's a good reason for it. But you can light the lamp now if you wish. What's the reason for the darkness, that is? Stay close. Be careful not to stray. What's the reason? Why is it so dark? Pay attention, Dandel. It's important that you keep going straight and make sure not to stray. Ok. C'est la voix comme dans Darkest Dungeon. J'adore le mec, il double d'ailleurs. Si un jour je fais un film, je veux qu'il fasse la VO. Conseil, soyez prudent lorsque vos ennemis sont proches en vous baissant. Et dans le noir, vous serez plus difficilement repérable, ok. Mais j'ai pas vu d'ennemis. Hein. Et on va crever là. Hein. Là, il y en a un là. Là, on est mal. Hein. Faut absolument que je trouve quelque chose pour me soigner. Hein. How about me? I'm good. Little tired, but it's okay. Il n'y a pas une porte là? On est vraiment dans le noir. Non, je pense qu'il faut qu'on passe l'ennemi. Je check un petit coup, mais non, non, non. Allez, on y retourne. On va essayer d'être courageux. I'm fine. Just tired, William. Thank you. Il est peut-être parti là maintenant. Ouais voilà, on va prendre la porte. Il y a une lettre là. 22 juin 1839.
It's been more than a month since my last entry. After the event inside the underground chamber in Algeria, Professor Herbert insisted I return to England. He said he didn't want to risk forfeiting the entire expedition lest I took a turn for the worse. An excessive decision, in retrospect. But I'm glad it turned out that way. I found my journal this morning in the haphazard collection of things brought home from Africa. Next to it lay the broken stone orb wrapped in cloth. I tried to assemble it, but couldn't. The pieces wouldn't fit together, as if they weren't from the same object. Could I have imagined it all? Was there ever a complete orb? Okay, Nitaras. Yesterday I was on there, I had to do a lot to do, but I watched your save video. Ah, it's great. If you watch the replay, il veut pas ouvrir. Il est pas bien là, mon personnage, hein, je vous le dis tout de suite. Ah voilà. J'ai pas de Mamadou, hein. Faut que j'en trouve. Je comprends pas qu'ils ont été très généreux au début, là ils m'ordonnent plus du tout. Explain yourself to the moderator. What did you have to do, William? Là, on peut passer là. Hop. Mais j'ai envie de jeter un coup d'œil ici parce que. Il y a peut-être du Mamadou. Non, j'en ai pas. Ouais, je vais crever. Je vais ici. Voilà. Oula. We want the truth, William. What are you doing in your life? Qu'est-ce que tu fais dans ta vie, William? Tu vas nous le dire? Ok, ça va mieux. Daniel va mieux. Ça, faut le tourner. Ah, c'est bloqué, quelque chose obstruit la manivelle et l'engin. Allez, casse-toi. Ah ok, c'est un petit raccourci. Non, il veut toujours pas. C'est pas trop sombre de votre côté? Ah là, il... Moi c'est très sombre. Ah, ok. J'ai encore une lettre ici. Et... Du Lundenum. On va regarder, on va se jeter un petit coup la lettre. Je suis sûr que William il est en train d'écrire là. Il nous explique toute sa vie. 25th of June, 1839. I feel the need to continue this journal, even though it was intended for my journey to Africa. This must be something very important. I just know it. I've taken it upon myself to piece the orb back together, but it's been more difficult than one might think. The pieces are behaving strangely. They seem to change color, shape, and texture, but ever so slightly. Yesterday, I took careful measurements and notated any significant markings. Today, I confirmed my suspicions. They were changing. I was terrified and rushed off to see the finest geologist in London, Sir William Smith. I approached the subject with care, and we discussed how rocks change form. He told me about the nature of glass, how it eventually collapses on itself, like ice slowly melting over the course of centuries. Très bien. Je ne vois absolument rien, donc je pense que c'est sombre, mais il faudrait peut-être que je règle la luminosité de chez moi. Mais le jeu est très sombre. Mais j'ai pas de Mamadou, donc c'est normal. J'ai mis le gamma à fond pourtant. Il nous faut de la lumière, on va en trouver. William. Are William Smith too? Quoi ça?
Là, on a... Ah, on a de l'huile. Ok. Et là, est-ce qu'on a besoin? Quelques coupures et contusions. On n'a pas besoin encore. Ça, c'est pas pour l'équilibre mental, hein. Ok, on a un tout petit peu de lumière. On a pas besoin là. Là, il y a de la mouche. S'il y a de la mouche, il faut qu'elle voie ses copines. I was trying to find out where you found your sword and put it next to your profile. Ah. You have a sword because he's he had a promotion. He's moderator. William. J'explique à William que Nick Taras a eu sa jolie épée parce qu'il est devenu modérateur. Je me perds là. Non, c'est pas par là. J'ai envie d'en allumer une, mais j'ai pas. Je sais pas par où aller. I deserve the blade. No bro, I'm not Smith. I'm white. C'est une petite blague avec Blacksmith. Hein, le forgeron, c'est ça? J'ai bien compris? Par là peut-être. Oui. Ah, regardez ça, il y a une petite chaîne. Ah, c'est bon, on peut le tourner maintenant? Peut-être pas, non. Non, il y a quelque chose qui bloque l'engin. Alors attendez, on va suivre la corde. We have to follow the rope. Faut qu'on ouvre cette petite la trappe est trop lourde pour être soulevée à la main. Ah là, on peut remplir notre voilà. On a rempli un petit peu notre bah un petit peu, on l'a complètement rempli. C'est très bien. Bon, je vous laisse faire vos blagues. Ah, y a quelque chose qui bloque. Ce serait pas ça? Hein, c'est ça qui bloque. Il faut qu'on trouve une caisse. Voilà. On peut pas la prendre celle-là? Y a quelque chose là. J'ai de la madou. Allez hop, il est où le truc? Sous là. Merde. Elle est où? Elle est toute petite, hein? Ouais, je... Oh mon dieu, je suis dessus là? Non, je suis passé haut. Il me faut une bonne caisse. Il veut pas la prendre celle-là. Ni celle-là. Oh putain, qu'est-ce qui s'est passé? C'est les trucs rouges qui me font du mal. Ok, tout doux. Raymond Debo, c'est le V2. J'ai pas suivi. Vous faites des blagues en anglais. Mais j'ai compris un peu. Voilà. Allez. Voilà. Vous avez vu ça là? C'est qui le patron? Pour la peine, un petit peu de lumière. Si je vous laisse un peu voir le jeu. Allez, on va remonter. C'est bon? C'est bon, on peut passer. Mon dieu, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? I focus best. Crouch. In English. Ok. Je suis pas sûr que William y comprenne la blague de Raymond Devos, c'est le V2. Hein. Pas certain. Hein. Raymond Devos, c'est le V2. Bon, on arrive aux archives du sous-sol. But played very well. I like him, William. J'ai pas compris. Il se heurta à la surface, les eaux obscures de l'Atlantique l'étouffaient alors qu'il tentait de comprendre la situation. What are you saying, Venus? But plays very well. I didn't understand.
Oula. T'es en train de dire que je parle, que je joue très bien. C'est pas faux. C'est pas faux. Oula 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 oula. Oh mon dieu. Oh là là là. On a réchappé de peu. Ça a ouvert quelque chose, mais je sais pas quoi. Ça se passe par ici. Ah, ok. Mr. Smith, one of my favorite actors. Ok. C'est grave. Ça, elle est pas invisible dans le Wii. C'est pour ça qu'on va, on va sauter de caisse en caisse. Vous me dites si le son du jeu est trop fort. Hein. En dehors de l'eau. Ah oui, mais oui, bien sûr, mais comment je fais? Oh là là, Romain. I'm good, retired after a good day of hikes. My wife's helping me, talking my doggy girl out. Ok. Bon, qu'est-ce qu'il a gardé en mémoire? Le problème c'est que je peux pas courir et sauter en même temps. On peut prendre la caisse? Non, on peut pas. On pourrait peut-être le leurrer en jetant des choses. C'est pas facile hein, parce que moi je joue au clavier. Je peux peut-être me remettre un peu de santé. Quelques coupures et contusions, non, ça va. La porte est trop lourde. Attendez, s'il fallait que je me mine le cul. Oh non, mais c'est dégueulasse. Comment je fais pour m'en débarrasser? Je peux avec mon gameplay de merde, je peux. Je suis en surkiff sur les pas dans l'eau. Moins tu en vois, mieux c'est de toute façon. Ouais, c'est cool comme scène, mais non, mais j'ai pas le temps. J'ai pas le temps de. Alors, à moins que je puisse déplacer les caisses, mais je. J'ai pas le temps, parce que vous entendez, quand j'ai abaissé le levier, il y a un countdown, il y a un décompte. Donc il faut que je me dépêche pour arriver ici et passer sous la porte. Mais moi, avec mon skill au clavier, j'y arrive pas, quoi.
j'y arrive pas quoi. Parce qu'il faut appuyer sur la touche. Il faut appuyer sur la touche saut. Et courir en même temps, mais moi j'y arrive pas. What do you mean, Romain? Venus, you please don't talk in French or other language. At least you talk in English. Oui, je préférerais que vous parliez français. Hein. Ça m'arrangerait. t'es en surkiff des pas dans l'eau, mais moi je suis pas trop en surkiff des pas dans l'eau là. Voilà, alors voilà, voilà, on est là, je vais me soigner. Là, j'imagine, à peine conscient. Voilà, donc là, je suis bon, mais il va falloir se manier le cul, hein. Donc, je garde mon doigt sur... C'est bon. Oh la vache. J'ai stressé là. Mais vraiment. J'ai vraiment stressé. En plus, il est toujours là cet enfoiré. J'ai réussi à le faire, hein. On a de l'huile. Oh, c'est bon, on en a plein d'huile. Viens là. On va y aller tout doux. Don't force me. If you do, I'll talk in Japanese. And Nick Taras will block me. Non. Venus, on peut pas la bloquer. It's impossible to block Venus. Alors. Attendez. Vous me faites dire des bêtises. Vous voyez ça là? Là, c'est ma technique. Je peux le faire qu'avec deux. Hein. C'est la technique du petit pas. Je vais prendre 1000 ans. Ça va prendre 1000 ans. Dites-moi si la musique est trop forte. Avec les verbes bosseront, bah oui. Very clever bosseron. Attendez que je reparte pas dans le mauvais sens. C'est par là hein, que je vais. Hein. Ah oui, ça prend un peu plus de temps. Mais au moins là, je vais pas mourir. Et j'ai hâte qu'il y ait un peu de lumière. Merde. Il m'a touché, hein. Et maintenant la caisse elle est trop loin. La caisse elle est trop loin. J'ai pas envie de tout refaire. Comment je me scotch? Voilà. Ah c'est bon. C'est bon. Tout n'est pas fini. Pas super chevaleresque, mais oui. Oui, mais bon. Le résultat va être là. Vous allez voir. Le résultat va être là. C'est bon. On y arrive. Regardez, il y a le levier là. Je le sens bien là. En speedrun, j'imagine que les mecs font autrement. Hein. Je suis pas sûr. En low run, par contre. Allez, hop. Allez. Ah, et le maniement à la souris. Je vous raconte pas là.
Putain, j'y arrive pas. Il repart dans l'autre sens. C'est bon. C'est pas du tout intuitif là, c'est vieux. Hein. Je fais tout doux, hein. J'y arrive pas. Putain, la souris là. Bon, il va repartir. Faut pas qu'il passe avec nous. Je le fais au maximum hein, que je puisse. Oh putain, je suis mort ici. Non, j'y crois pas. Ouh, ça m'énerve. Ils vont me remettre où? Oh, c'est dégueulasse. Franchement, c'est dégueulasse. Ça, c'est dégueulasse. Bon, on fait vite. J'imagine qu'il y a une autre façon de faire, hein. Là, je vais... C'est bon, là, j'ai le truc en main. J'ai le casque à fond, là. Je sais pas si moi, je vous crie dans les oreilles, mais... Je l'entends bien, lui. Putain, mais on voit rien sur, sur la capture. Non, 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 reste là, reste là, reste là, reste là. Ouais, c'est bon, c'est bon. Si, il faudrait que je mette une caisse en dessous pour pas que, pour le pilier, quoi. Tiens, c'est ce que disait mon oncle nécrophile. La chair morte peut servir de distraction. T'as pas de bout de cadavre à lui balancer à lui. Y en avait là, mais je suis pas certain que ça fonctionne. Hein. Je crois plus que c'est pour l'ambiance. Alors après, peut-être que je me trompe. Elle est où la porte? Elle est là. Bon, il y a des caisses qui ont été prévues, hein, vous avez vu là. Mais bon, je préfère y aller tout doux. Non, non, reviens là. Voilà. Allez, comment je me lève? Oh, bah, le problème, voilà, c'est ça, c'est que j'ai un double problème. Oh putain, mais c'est que j'arrive pas, je joue très mal au clavier. Je vais mettre plein de caisses. Je me scratch. Ah bah j'y étais déjà. Putain mais... Ah c'est mieux là. Là c'est mieux, là c'est mieux. J'ai rien. J'ai revoir des bouts de bras. Putain, il défonce, il se défonce. Oui, il me met des sacrés coups. Hein. Putain, allez. Allez, je suis au maximum là. Oh mais merde. Bon, ça me fait chier là. Non non, c'est super lourd. Il faut se retaper à chaque fois. Non non, mais moi j'aime pas quand c'est J'aime pas quand c'est Non, ça l'attire pas du tout. J'aime pas quand c'est injuste. Bon, je vais courir. Oh bah il est plus là. Attendez, je vais un tout petit peu dans l'eau. Oh bah s'il est plus là, c'est plus facile hein.
J'ai la connexion qui foire, oh mince. Je dis la chair morte peut servir de distraction. Non, non, ça marche pas. Je viens d'essayer. Ça l'a pas du tout attiré. C'était une bonne idée, mais ça n'a pas fonctionné. Ça ne l'a pas effectué. Ça te donne des indices sur la scène comme tout à l'heure. Ne restez pas trop longtemps dans l'eau. Qu'est-ce qui me donne des indices? Bah, tu as joué un truc dans l'eau, il n'est pas venu te chercher. Ah, tu crois que... Bon, peut-être. Bah oui, peut-être. C'est vrai qu'il est plus là, ouais. Alors, c'est peut-être la même chose avec les casses. Bon, j'ouvre la porte vite fait. C'est bon, on lâche au maximum, là. Allez, je suis à perché, là. Là, je suis perché. Ouais, mais je pense que t'as raison, faut lui jeter des trucs. Très très bien, c'est très bien vu. Mais je peux rien choper là. Là, c'est que des caisses que je peux pas soulever. Attendez, hop. C'est que des caisses pas soulevables. Mais non, mais je sauvegarde, je peux pas sauvegarder. Tu vois, c'est sauvegarder et quitter. Y a pas de F5, on n'est pas dans Visage là. Ça ne marche point. Non, je vais faire un grand saut. Si je... Allez, c'est bon. Ah putain, c'est de fermer à clé. Oh là 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 là. C'est dégueulasse. C'est fermé à clé avec une simple serrure. Mais j'ai pas du tout de clé, moi. Oh là là, non, mais non. Le jeu est difficile. Je vous le dis. À moins que la clé soit là. Allez, faites que ce soit la clé. Ramasser aiguille creuse. Ah bah, ça va peut-être me servir pour crocheter. Allez, espérons que ça soit ça, parce que sinon le jeu est un peu dégueu. Allez, on essaye. Ouais, c'est bon, c'est ça. Non, mais sinon ça aurait été... Ouais, bon, c'est bon, ça va, ça va. Je retire ce que j'ai dit. Non, mais il aurait fallu retourner en arrière et retrouver la clé, genre elle était au début du niveau. Bon, là, ça m'aurait... ça m'aurait fait un peu chier. Dites... Oh, vous arrivez à voir un petit peu, quand même. Oh. Vous êtes trop gâtés, de toute façon. On arrive à progresser, ça va, on perd pas trop de temps. C'est quoi ça? Mais le jeu, j'ai mis le gamma au maximum, hein. Le jeu est sombre, hein. C'est voulu. Hein. Bon, je demande pas mon reste. Dieu. Là, je viens de me taper un bon coup de stress. Hein. Et puis, c'est difficile pour moi au clavier. Je vous mens pas.
Oh là là, c'est bon, on est au patio. Il sentit hisser hors de l'eau. La coque laquée du SS Hortensia scintillait dans la lumière jaune, calme et chaleureuse d'un soleil couchant. Il retourna sa tête vers l'océan tranquille, arrivant sur les côtes du Portugal et pensa « Est-ce que c'est encore un rêve ? » Est-ce que c'est encore un rêve ? Bon, on est revenu. Ah, je me suis tapé un bon coup de stress là. On est revenu. Ah bah non, on n'est pas revenu. Ou alors on est revenu à un temps. Non, on n'est pas au même endroit. Hein. Si, on est au même endroit, mais rien n'est cassé. On va le savoir. Regardez-moi ça, c'est magnifique. Ça va être la capture. Bah d'ailleurs, je crois que c'est le fond. Hein, regardez. Quelque chose comme ça. Voilà, oui. Ah mon dieu. Attendez, une petite pause de 2 secondes. Ah, je me suis tapé un bon coup de stress là. En plus j'étais en train de batailler avec le bouton pour courir. Qu'est-ce que c'est? C'est une statue? C'est véritablement quelqu'un? On peut juste... Bon, allez hop. C'est une statue. La moitié d'une... Ah non, il y a un corps. C'est très particulier. Il y aura forcément quelque chose à faire. Regardez-moi ça. C'est très très bien trouvé. Je pense que Nictaras a eu tellement un problème de connexion qu'il est même plus là. C'est très joli. Oui, c'est joli ici, hein. Bon, et bah écoutez, c'est ce qu'on appelle communément une fontaine, voilà. Tout simplement. Bon, on est revenu à un temps ancien, c'est cette porte-là hein, qui s'est ouverte. Hein. Bon, bah je propose qu'on y aille. Hein. C'est important l'hygiène dentaire, tout à fait. Ah bah là, c'est un bon bain de bouche. Là, la personne, elle fait un bon bain de bouche. You have an ascending room. Will it take us to the inner sanctum? It will definitely take care of the vertical part of our journey. So, you have ridden an elevator before? Yes, the Colosseum at Regent's Park has one. It takes you to the gallery where you can view the panorama. Good. This ride might be a little longer, and in the other direction. Okay. Les voix sont mortelles, hein. Le doublage anglais est très 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 bon. J'imagine qu'il faut que je baisse. Ça ne fonctionne pas. Ah, ça ne fonctionne pas du tout. Ah, donc il va falloir qu'on fasse quelque chose pour que ça fonctionne. Non, ça ne fonctionne pas. Ok. J'étais persuadé qu'on allait prendre l'élévateur. Mais non. Je réessaye un coup, hein, parce que sinon on serait vraiment trop con. Mais je pense que ça nous montre... Peut-être que les portes étaient pas bien fermées. Ah là, c'est fermé, là. Non, ça ne fonctionne pas. Bon, en tout cas, ça sera la sortie. Il y a toujours ces traces de sang. Hein. En fait, il faut qu'on retrouve Alexander. Enfin, je sais plus s'il s'appelle Alexander. On va aller à la salle des machines hein, pour faire marcher l'ascenseur, voilà. Ah, c'est fermé à clé. Ok, bon, il faut qu'on aille, faut trouver la clé de la salle des machines pour faire marcher l'ascenseur. Ouais, c'est gothique à souhait, oui. Bon, l'étage, on va aller regarder ça après. Je regarde quand même s'il n'y a pas du Mamadou. Non. J'en ai qu'un, moi, en plus. Hein. Alors, je vais pas le gaspiller, hein. Je préfère vous dire. Je préfère vous dire que ça va pas gaspiller. Qu'on va jouer à l'économie. Allez, on va au stockage. Il y a forcément les clés au stockage.
vraisemblablement, on doit pouvoir trouver ça. Alors, de temps en temps, le mode Windows merdouille un peu, mais bon, regardez, hop, il se remet bien après. Hein. Je suis obligé de jouer en fenêtré. Hein. Je suis obligé de jouer en fenêtré. Sinon, à Extreme Labs, c'est un vieux jeu, ça déconne. Bon, il y a un passage par ici. Et il y a un passage par là. Je serais tenté de mettre un Mamadou ici pour que je me souvienne. Hein ? On se souvient qu'à la lanterne, on peut aller à l'équipement. Et là, il y a un écriteau. Il n'y a même pas d'écriteau. Bon, j'ai envie d'aller voir. Ah. Please, let me go. I won't tell anyone, I swear. I just want to go home. Conseil, des bougies, des torches peuvent réduire la perte de raison causée par l'obscurité. Ok, j'ai trouvé du Mamadou. Bon, c'est les gros rochers, par contre, on peut pas les déplacer. Hein. Partie, pièce de machine. Ok. Bon, je vais pas... Ah, si, on a appris qu'on pouvait quand même déplacer les grosses poutres. Merci pour le follow, XMarinette666. Ça me fait très plaisir. Pour la peine, grâce à... Tu as droit à la mouche. C'est Gothic à souhait, ça je l'avais déjà lu. Et cette petite pause musicale est agréable, une sorte de respiration quoi, oui. Complètement. Non, non, l'ambiance est très très bonne. Même là, on va dire 11 ans après hein, quand même. Hein. Ça ne veut pas bouger. Bon, on retourne à l'autre. Hein, on va essayer d'être méthodique. Si on a déjà réussi à l'être. Regardez, je suis déjà parti dans un autre truc. Là, il y a un truc là. Pas fou. Il est pas fou, Romain. Ah merde, il faut mettre une caisse. On va mettre un tonneau. C'est bon, c'est bon. C'est bon, ça va, ça passe. Voilà, 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 c'est bon. Ah non, c'est pas du tout un... Je croyais que c'était un truc à tirer. Bon, en tout cas, on a trouvé du Mamadou. Bon, notre lanterne, elle va pas faire long feu. Hein. On trouve des trucs. Ramasser pièces de perceuse. Bon, c'était un truc qu'il fallait qu'on le trouve, hein, de toute façon, ça. C'est un objet clé. Oh putain. Non, 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 tu nous as pas vus. Merde, par où je me barre. J'ai vu du Mamadou et j'ai préféré mourir en essayant d'attraper du Mamadou. Alors là, ça va être intéressant, c'est de savoir qu'est-ce qu'il garde. Aiguille creuse, il a sauvegardé quand même, c'est ça qui est cool. Et du coup, je vais pouvoir prendre. Alors attendez, le scratch, voilà, hop, c'est bon. Bon, il était cool, le jeu était cool. Oula, 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 oula. Faut pas qu'il nous voit. Putain. Allez, allez, mine, 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 mine. Oh putain, mais... Et, ah, il me one-shot. Oui. Il rigole absolument pas, cet homme. Absolument pas. Bon. Est-ce qu'il me sauvegarde quand je prends le Mamadou? Oui. Il est cool. En fait, à chaque objet... c'est quoi ça? Non, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Bon, il faut qu'on le feinte. Faut pas qu'il nous voit déjà. Attends, on va aller près de la lumière. Là, ça va mieux là. Là, ça va mieux là.
Tout est pardonné là. Allez, on se magne. Je sais, vous voyez rien, mais moi non plus. Si je mets la lumière, le monstre arrive. Hein. Vous en êtes conscient. Hein. On inspecte un petit peu le lieu. On mettrait bien un petit coup de Mamadou. J'en ai 4 en plus. Putain, je ne sais où aller. J'ai bien fait de mettre une bougie. Je veux savoir qu'il y avait un passage. Enfin, qu'il y avait un embranchement. What was that? Il y a forcément un objet clé là. Non, il y a du Mamadou. Il y a un coffre. Un coffre rempli de Mamadou. Ah non, de l'huile. Très bien. Et du Mamadou. Je vais arrêter de dire du Mamadou. Hein. J'aurai un problème à un moment donné. À un moment donné, il y a des gens qui s'appellent Mamadou qui vont venir ici sur le chat pour me péter la gueule. J'aurais bien cherché. Bon, tu le prends ou... Et j'ai du Lundanum. Ok. Non, là, on peut éteindre. Ah, désolé, il n'y a plus de lumière. Hein. Je peux pas tout faire. Pas tout faire, là. Romain peut pas tout faire. Bon, ici, ça va. On est en sécurité. Il y a de la petite bougie. C'est plutôt pas mal. On a encore ramassé ça. Oui, d'accord. Mais encore. Ah, là. Bon, ah, voilà. Il y a de la manivelle. Il y a du... ramasser pièces de perceuse. Certains objets peuvent être combinés dans l'inventaire. Sélectionnez un objet et déposez-le sur un autre pour tenter de le combiner. Allez, on fait ça tout de suite. On a une pièce de perceuse et une aiguille de perceuse. Oui, non, mais attendez. Ça peut être combiné dans l'inventaire. Ah, dans l'inventaire. Dans l'inventaire même, on peut combiner les choses. La combinaison ne fonctionne pas. Ah non, parce que c'est ça. Attendez, je suis complètement... Faut que je lise. J'essaye d'aller trop vite. C'est mon erreur. Je suis quelqu'un qui est un peu con. Je suis une personne un peu conne. Pièce de perceuse. Une partie d'une perceuse. Manuel cassé. Ok. Aiguille creuse. Non, ça c'était pour la porte. Pièce de perceuse. Une partie d'une perceuse. Manuel cassé. Ok, donc je fais ça et je le mets là. Vous ne pouvez pas encore assembler la perceuse. Vous devez d'abord trouver toutes les pièces. Très bien. Oui, ça me paraissait bizarre d'avoir que le manche. Et l'aiguille. Mais bon. Je crois qu'il fallait plutôt se cacher dans le noir plutôt qu'à la lumière, souviens-toi. Oui. Alors, excusez-moi pour les messages que je lis en retard. Hein, parce que c'est difficile de jouer en même temps que de lire. Sachant que j'ai le chat sur mon petit portable. Et je check quand je peux. Bon, on a trouvé l'objet. Hein. Donc, du coup, il faut qu'on poursuive notre aventure. Je ne sais plus si j'étais passé par là ou par là. On va vite le savoir. On n'est jamais venu ici. On va mettre une petite... En plus, on en a 7, c'est bon. De toute façon, on va mettre des... Comme le petit poussé, on va allumer des bougies pour savoir où on est passé. Voilà. Là, normalement, la perceuse, elle est complète, là. Regardez-moi ça. Pièce de perceuse, une partie d'une perceuse manuelle cassée. Voilà. Bah c'est bon. Une petite perceuse de charpentier. Très bien. C'est très bien. Oui, c'est une chignole. Alors je connaissais pas le nom, mais je vois. Ça, tu le tournes à la main comme ça, quoi. J'ai fait le geste à l'envers, mais les puristes, je sais, ont rectifié de même en temps réel. Bon, il y a forcément du Mamadou. Ouais, voilà. Je commence à connaître le jeu, là. Ça me fait plus avoir. Bon, par contre, on a une perceuse, mais ça va... Enfin, on a une perceuse. On a une chignole. C'est bien d'avoir mis des bougies. Un jour, je terminerai une phrase, je vous promets. Bon, on a la chignole, mais maintenant... Qu'est-ce qu'il faut chignoler? Non, c'est par où je viens, là. C'est par là hein, qu'il faut que j'aille. Non, il faut que j'aille par là. Je vais le regretter hein, d'utiliser trop ma... Mais putain. Non, là, je suis en train de revenir. Je sais plus. Oui, je suis en train de revenir. Mais tout se ressemble.
C'était par... Ah, voilà. Bon, j'éteins parce qu'il y a, il y a l'autre clampin hein, qui est par là. Hein. Là, il y a un endroit où on avait dit qu'on devait aller. Hein. Par là. Hein. Ce qui est marqué. Pièce de machine. Quoi, on va chicoter le... On va chicoter les rochers avec la pièce de perce... avec la perceuse. Ça me paraît... Vous ne pouvez pas utiliser l'objet de cette façon. Et pourquoi? Pourquoi ça? Non, c'est pas là. Hein. Je me souviens plus ce qu'on avait fait. Je me souviens plus. C'est pas une perte. Oui, bon, c'est toujours le même commentaire. Je retente un coup, mais bon, il va me remarquer la même chose. Évidemment, je regarde si on peut l'utiliser sur le rocher. Non, 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 c'est pas par ici qu'il faut aller. Alors, je pense pas. Encore une fois. Peut-être que cet endroit nous permettait juste d'avoir la perceuse. Je trouve ça curieux. Vous pensez qu'il faut ressortir ? Bon, on a la perceuse. Moi, je pense que peut-être que cet endroit nous permettait juste d'avoir la perceuse. C'est possible aussi. On se souviendra que c'était dans le stockage. Au stockage, on a eu la perceuse. Peut-être qu'il fallait finir quelque chose d'autre. Parce que moi, bon, je suis tenté d'aller à l'étage. Voilà, voilà, je vous le dis. Voilà, c'est pour ça que je suis reparti. Je suis intrigué. C'est pas une perceuse, c'est une chignole. Oui, je suis toujours en train de relire le même truc. Là, on va à la chambre des invités, ok. Et là, on va à l'étude. Bon, et on, vu qu'on vient d'arriver, on va aller à la chambre des invités. Quelque part, on est un petit peu des invités. Il sortit de son lit et regarda par la fenêtre. Tout était noir. Il patienta, jeta un coup d'œil sur la vieille horloge et attendit encore un peu plus. 4 heures, pensa-t-il. C'est assez. J'aime beaucoup le côté littéraire du jeu. Hein. C'est très très bien écrit. Et très très bien doublé. Alors, Eve, la femme de Nick Taras, nous précise. Hein, parce qu'ici, on est sur un stream expert. Ce n'est ni une perceuse, ni une chignole. Écoutez-moi bien. C'est une tarière. C'est une tarière. Donc on arrête de dire des bêtises, on arrête de dire que c'est une perceuse, on arrête de dire que c'est une chignole. Il va falloir qu'on tarière. C'est une tarière. Pour la peine, un petit peu de lecture. 2 July 1839. I received a letter today from the Algerian governor's office disclosing the fate of Herbert's expedition. About a week after my departure, Abdullah, one of the men traveling with us, returned from the desert. He was badly injured, as if maimed by a lion. The man rambled deliriously about the expedition being attacked by something horrible. The French quickly dispatched a search party to look for the expedition. After searching for days, they found the camp abandoned without any trace of Herbert or his men. Tomorrow, I'll retrieve the things they recovered from Herbert's tent at the customs house. I don't know what to make of it, but I'm worried for him. Oui, d'où l'expression protège tes arrières, voilà. Et merci Eve, hein. Merci Maître Capello Eve. Parce que moi j'aime bien être précis. La porte est bloquée à cause d'une serrure cassée. La porte est bloquée à cause d'une serrure cassée. Il faudrait pas qu'on utilise la tarière. Hein? Bon. Vous ne pouvez pas utiliser l'objet de cette façon. Et si j'ai envie de l'utiliser, moi, de cette façon? Oh mon dieu, ça aurait été tellement bien. Quoi ça? Ah bah c'est un petit lapin. Regardez, on va aller le regarder plus haut. On va le mettre là, voilà. Comme ça, il regarde pas la fenêtre. Tiens, petit lapin, prends une plume. Mais te la mets pas dans le cul. Bon. La porte est bloquée à cause d'une serrure cassée. Bah oui, bon, bah, on peut pas passer par là, quoi.
On a encore du Mamadou. Décidément, j'ai l'impression que quand on trouve du Mamadou, ça nous en donne pas qu'un seul. Ça nous en donne... Ah non, si, ça ne donne qu'un seul, parce que tout à l'heure, on en avait 7, maintenant on en a 8. Pardon, autant pour moi. Bon, là, c'est ce qu'on appelle communément un lit, hein. Y a pas... Hein? Qu'en pense Eve? Y a pas d'autre mot, là. Hein? Ah! Un pied de biche. On trouve des choses, là, hein. Attendez, la lecture après, hein. Pas toujours de la lecture. Bon, là, c'est toujours cette petite veste, enfin, cette petite chemise. Qu'est-ce qu'il y a? Ah non, je pensais que j'étais à genoux. La serrure ne résistera pas au pied de biche. Oui, c'est ce que... c'est pas ce que je pensais, mais c'est une très bonne idée. Mais juste avant, un tout petit peu de lecture. 1839. I dug through the trove of documents he had carried and found a log detailing the expedition. The nature of this text ranged from quick notes to colorful accounts of transpired events. I skimmed the pages, trying to figure out what might have happened. May 17th, the day I was trapped inside the orb chamber, Herbert dryly states, recovered Daniel after 1 hour of entrapment. This confused me greatly. I was suffocating within minutes. How could I have lasted an hour? I continued reading the peculiar text. Herbert states his facts without judgment or passion, but suddenly I could read frustration into his text. He pushed his men to investigate the underground tomb, an effort which seems to have strained the minds of his men. Madness spread through the ranks, and Herbert had to take some extreme measures to continue. He finally visits the chamber himself, where he retrieves the orb to the surface. Eh ben dis donc, sacré Herbert. This account confuses me greatly. If he has the orb, what are those pieces in my drawing room? Oh, que de mystère. Les voix, le doublage hein, est très très bon. D'ailleurs, ça me fait vraiment penser le jeu me fait penser à... Oh, c'est quoi ça? Non, on peut pas. Ça me fait penser à... Qui est très bon d'ailleurs, je l'ai sur Switch, mais c'est un jeu PC. D'ailleurs, c'est très difficile à jouer sur Switch hein, parce qu'il y a trop de commandes. Ça se joue à la souris normalement. À Darkest Dungeon. Les doublages me font vraiment penser à ça. Alors que bon, le gameplay n'a rien à voir, mais. Bon, là, on va faire l'idée de Nick Taras. La porte est bloquée à cause d'une serrure cassée. Voilà. Et voilà, bravo. Bravo Nick Taras pour la peine, une mouche. Ah, la clé de l'ascenseur. Enfin, la clé des machines. Faites que la clé soit là, il a dit. Qu'est-ce qu'on entend? Il est dans votre tête de vous cacher dans la mesure où vous ne pourrez pas vous défendre. Oh mon dieu! J'espère qu'on a fait assez vite. Est-ce qu'on peut regarder un tout petit peu? Oui, bon, je préfère fermer. Et oh, tu nous as pas vu, bien sûr. Qu'est-ce qu'il a? Il ouvre lui-même les portes? Il y a un petit côté Outlast, là. C'est bon, il est reparti? Bon, il faut qu'on trouve la clé, hein. July, merci pour le pied de biche. It's done. The orb is assembled. I was awakened by an exhausting nightmare. Shaking and sweating, I retired to the drawing room with a cup of tea. The relic pieces lay spread across the table as I'd left them, but somehow I knew how it was supposed to be. I fetched the tar, which I had prepared to fix the pieces together, and without fault, I joined them, producing the orb I remembered so clearly. The tar proved unnecessary. It was pushed out from the joining pieces as they merged on their own, with no adhesive. The ancient stone relic now rests on my table. Its immaculate surface and perfect shape could have been molded by a factory. This is all too strange.
Effectivement, c'est très étrange. Ah, quoi? Ah non, c'est pour allumer, mais là, on va pas gâcher du Mamadou. Ah, regardez-moi ça. Oh, thank God, there it is. I guess it is a good place to hide it then. On a eu du bol, hein. On a eu du bol. Et je vais la lancer contre le mur pour la récupérer. Nous avons la clé de la salle des machines. Mais décidément, on est en train de faire le jeu en 2-2 là. Allez, on retourne au patio. Oui, on ne saura jamais ce que fait William finalement. Bah, ce que je sais, c'est qu'il a des collègues, hein. Il a des collègues parce qu'il y a Johnny qui nous suit, qui est collègue avec William. Mais collègue de quoi? Donc, attendez, on va faire dans l'ordre. Ah bah, il s'est passé quelque chose ici. Il y a quelqu'un qui a oublié son torse. Je sais pas où... Mais il y a quelqu'un qui a oublié son torse. Donc, tout à l'heure, on était là. On avait été par là. Voilà, il y a la salle des machines qui est par là, je crois. C'est vrai que William, ça reste une énigme. Hein. Il vient de Las Vegas, mais il habite à Los Angeles. Voilà, c'est fermé à clé. Et il a des collègues. C'est tout ce qu'on sait de William. William en lui-même est une énigme aussi. Hein. Faudra qu'on la résolve. Allez hop. On va à la salle des machines. Peut-être qu'à la salle des machines, on va avoir besoin de la perceuse. Et là, on sera très fort. Sir William Smith avait été marqué. Il ne pouvait désormais en... Pas le temps de lire. Pas le temps de lire, évidemment. Pas le temps de lire. C'est un jeu, on n'a pas le temps de lire. Regardez-moi ça. Cet enchevêtrement de tuyaux. En zinc. Bon, il y a de la caisse. Est-ce qu'il y a du Mamadou? Non. 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 Laisse-toi, s'il te plaît. Allez. On commence par la droite. It's cold. It's cold. It's so cold. Ils étaient en train de fabriquer un truc là. Hein. Je pourrais pas dire. Qu'est-ce que c'est? Pression. Alors on va. Alors là on va s'amuser. Hein. Je sens que ça va être une énigme qui va nous plaire. Ah, je peux plus. J'en ai. Allez, on va tous les soulever. Ça va être une énigme qui va nous plaire, ça, les chiffres romains. Est-ce qu'il faudra la perceuse pour le mystère William? Ah. C'est bien possible. Attendez, on peut pas mettre une petite bougie, là? Attends, comment ça se fait qu'il a peur alors qu'il est quand même dans un endroit où c'est relativement bien éclairé? Dis donc, Daniel. Tu serais pas un peu froussard? Froussard? Tu serais pas un peu froussard, Danny? Hein? Moi, tu me jettes là-dedans, tout va bien. On va lire la lettre avant. Daniel Froussard. Exactement. I was able to sneak into Herbert's office and pick up an address book along with some relevant textbooks. Professor Taylor at the Faculty of History was very helpful, and I managed to approach the subject of the orbs. The most interesting aspect was the prevalent trace they had left in our culture. The mythic orbs may, in fact, have inspired the Globus Cruciger, which so many royal regalia holds to this day. In ancient times, the orbs were held by priests as a symbol of the sun and its power. As I was leaving, I overheard a disturbing conversation. Sir William Smith, the geologist, was killed last night. Less than a fortnight had passed since I'd asked for his expertise. I know it's silly, but I can't help feeling responsible somehow. Bah oui, tu peux te sentir responsable. Daniel Froussard, plomberie zinguerie, l'artisan au service de votre chantier, avec sa tarière. Et voilà, j'allais le rajouter. Avec sa tarière, en kit. C'est en kit qui me fait rire. En kit. Bon, et regardez là. Qu'est-ce qu'on fait? Il va bien falloir les mettre dans un certain ordre, hein. C'est certain, ça. Ça va jusqu'à où? 1, bah c'est simple, il suffit de les compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai en train de me faire chier à les compter en chiffres romains, alors qu'il faut juste les compter. Il y en a 6. Est-ce qu'on peut tourner ces petites manivelles? Non.
Bon, on retourne au départ. On descend. De toute façon, j'ai tout monté les pressions. Hein. Ça va pas être bon, mais c'est pas grave. La charrière en shit. Voilà. Exactement. Alors, vous vous souvenez, après, il faudra descendre l'escalier. Hein. Je pense qu'on est pas trop mal, là. Hein. Pour une deuxième partie, on avance quand même. Mais qu'est-ce que c'est bavard, par contre, hein. Je trouve ça un petit peu bavard. Enfin, je jouerai tout seul, ça irait. Mais c'est un peu bavard pour le stream. 14th of July, 1839. I've read every book I can find on the subject. While rich in legend and hearsay, my knowledge is lack for the insight I crave. I've sent letters to many in Herbert's address book and received answers of varying importance. Today, I got one which differed greatly from the others. From a baron in Prussia. He said nothing about the quaint stories of priests in underground temples. He didn't even mention them. He simply wrote, "I know. I can protect you. Come to Brennenburg Castle." Signed, ah. Alexander. C'est pour ça qu'on était au château. Protect me from what? Is someone after me? I looked up Brennenburg and traced it to the Prussian woods near the Baltic Sea. While being the least informative letter I've received, it causes me greatest distress and interest. As I write, my thoughts are drawn to my nightmares, in which a most disturbing sound calls to me. A sound defying description. A voice from the void. The last few weeks have been awful, with so many sleepless nights, dreading a repeat of those horrid dreams. Tomorrow, I shall visit my physician, Dr. Tate, in hope that he can provide me with sedatives to help me sleep. Ok. Alors, c'est sûr que c'est un poil plus AE qu'une partie de CS, mais bon. Alors attends, j'ai pas compris. C'est sûr que c'est un poil plus AE. T'as du mal à taper, je comprends pas. Qu'une partie de CS. C'est quoi CS? Mais bon. Il n'y a pas le même background scénaristique. Tu parles de quoi, de CS? C'est quoi CS? Allez mon ami, j'estime avoir fait une chouette modération sur le chat ce soir. A plus haché. Oui, pardon. Sorry bro, I was busy. I had my boss. Ah, William, who is your boss? What is your job? Counter-Strike? Oui, mais là tu me plaisantes. C'est pas Counter-Strike que tu voulais dire. J'arrive pas à voir. CS, c'est quoi? Machin City qu'on a fait l'autre jour. D'accord, que c'est un peu plus haché. Je pense qu'on va passer les lettres à partir de maintenant. Comme si on découvrira par nous-mêmes le jeu. Hein, on va passer les lettres. Ça casse un peu le rythme, même si ça donne du background évidemment. Alors attendez, par contre ça c'est intéressant pour sur ce que nous avons à faire. Note sur les machines. Notez qu'il y a seulement 2 tiges disponibles en stock pour la machine de l'ascenseur. Assurez-vous de mettre à part celles qui sont défectueuses et de garder les autres dans la salle d'études interne au cas où les 3 se fissureraient à nouveau. Ok. Je préfère lire en plus, moi. Allez, je me laisse le mystère du jeu et de la vie de William. J'en saurai davantage demain. Bah, je te souhaite une très très bonne nuit. Je te remercie d'être passé. Moi, je vais continuer un petit peu. Ça fait 1h24. Je continue encore un peu. Donc, a priori, là, qu'est-ce qui est écrit? Écoulement. Il va falloir mettre du carré, du triangle et du rond. C'est du PlayStation, quoi. Ok, ok. Là, il y a un coffre. Qu'as-tu donc dans ton panier? Du Mamadou, je pense. Ouais. On a du Mamadou. Bon, on va descendre l'escalier, hein. Je fais un peu d'économie de ma j'allais dire de ma chandelle, non, de ma on peut remettre un peu d'huile d'ailleurs. Voilà ma lampe à huile. Allez, bonne nuit à toi, Nick Taras. Alors William nous a répondu. Alors son job il est quoi? I am an accountant of a company. Ok. Ok William, thank you.
17th of July, 1839. How has this escaped me? They're all dead. Ils sont tous morts. Limbs scattered, heads split down the middle, their skin flayed as if boiled. I feel like I'm falling into myself. What's happening? Sir William Smith, Professor Taylor, now Dr. Tate. Is it following me? C'est l'ombre. How can it not be? It's the damn thing I brought from Africa. Something is after me. Okay. I have no choice but to trust the Baron. He better know what he claims. If he is wrong, I suspect he'll regret it as well. Ok, donc on est venu ici pour se faire protéger de quelque chose, mais on a choisi de perdre la mémoire après, hein, ensuite. On va découvrir hein, tout ça. Ok. Donc là, on est arrivé de par là. Hein. Il y a une espèce de machine là. Le mécanisme a besoin d'être plus travaillé pour pouvoir fonctionner. D'accord. Il y a des roues dentées manquantes. Ok, là il va nous faire des roues dentées. Il va y avoir toute une saloperie à faire. Oui, ça ne peut pas marcher, il lui manque les roues dentées. Ok. On peut pas. Il n'y a pas une on peut pas allumer ça? Si. Allez, voilà. Voilà, voilà. Et là, évidemment. Il n'y a rien à dedans le brûleur pour qu'il puisse allumer. Faut qu'on mette un combustible. Du mamadou. Non, il va falloir mettre du bois. Oh mon dieu, ça va être long. Ça va être long. Ah, mais là, il y a de la roue dentée, là. Allez, viens là, ma belle. Viens là, coquine. Tu t'étais caché. Et voilà. Il en faut combien? Il en faut 3, évidemment, comme dans tous les jeux vidéo. On en a trouvé une. Hein. Où tu te caches, toi, l'autre? Mais j'en avais pas vu une roue dentée un peu plus juste avant. J'ai comme souvenance. J'ai vraiment souvenance. Voilà, voilà, je le savais. Bravo Romain. Je le savais. J'ai des fulgurances comme ça parfois, ça me. Soyez pas surpris, hein. La roue dentée ne rentre pas dans ce rayon, oui. Ah là, on a deux, non, regardez, déjà là ça va fonctionner un peu. Ah non. Il veut même pas nous faire croire que ça fonctionne. Il veut même pas nous faire un peu plaisir. On est comment au niveau vie là? Au niveau de la tête? Quelques coupures et contusions, bon ouais, ça va. Un léger mal de tête, oh, on est très très bien. Bon, on continue hein. Notre progression, faut qu'on trouve l'autre roue dentée, elle doit pas être très loin. J'ai remarqué que les niveaux étaient pas très 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 longs. Mon nul est déjà pleine, ok. Donc on est large. Alors un petit peu de mamadou. Je trouve ça curieux qu'il n'y ait rien ici. C'est du combustible ça, c'est du charbon, non? Faut qu'on prenne la pelle. Allez, donne-moi de ça là. Curieux quand même qu'on puisse prendre. Non, si on pouvait prendre la pelle. Il... Bah, c'est du charbon, je suis désolé. Bon, de toute façon, on n'en est pas là, on n'a pas l'autre. On n'a pas l'autre roue dentée. Parce que regardez, c'est une salle des machines. Je suis pas complètement idiot. Je trouve qu'elle est par là, la roue dentée. Non. Je suis pas complètement idiot, pardon. Ça, c'est bien du charbon. Enfin, il y a une pelle. C'est pas arrivé là par hasard. Les gens s'amusent pas à entasser de la merde ici. Juste pour le plaisir. Voilà, on s'est remis de la. Non, je sais pas. Non, on peut pas l'utiliser. C'est juste un objet comme ça. Je trouve ça curieux quand même. Je trouve ça quand même très curieux. Bon. Et du coup, on sait plus où aller là. Je vais retourner un petit peu sur mes pas. Peut-être que j'ai oublié la roue dentée avant. Maintenant, on sait qu'on cherche une roue dentée.
Elle est là, elle est là, elle est là, elle est là, mais oui, bravo. Mon dieu, je suis en train de... Je roule sur le jeu. Plaisante. Je roule sur le jeu. Allez, allez, allez. Voilà. Très bien, très bien. Les mécanismes ont besoin d'être plus travaillés pour fonctionner. Oui, bah... Qu'est-ce que t'appelles plus travailler? Oui, donc il nous faut... Putain, mais vraiment, il est en train de perdre conscience, là, hein, si je reste pas près de la lumière. Donc là, maintenant, il nous faut un truc qui va faire tourner la machine, quoi. Il nous faut du combustible. Il n'y a rien dans le brûleur pour qu'il puisse s'allumer. Qu'est-ce que je pourrais mettre? Moi-même, je pourrais mettre quelque chose? Non. Non, je pense pas. Non, je pense pas. Peut-être qu'il va falloir aller dans d'autres salles. Mais en général, les énigmes se font... En général, les énigmes... Enfin, tout est dans au même endroit, je veux dire. Je veux pas ressortir de la salle des machines. Je pense pas que ça soit une bonne idée. Écoutez, ça fait combien là? Ça fait 1h30. Je remonte. On va se laisser là. On va se laisser une nuit de réflexion. Il faut qu'on trouve du combustible. Et ça, par contre, ça nous a servi à que dalle. Hein. J'ai tout mis à fond. Il faut qu'on trouve du combustible. On va se laisser là. On aura progressé un peu quand même. Pas mal même. Ouais, c'est ce qu'on va faire. On va se laisser là. Je repasse en main cam avec ce son qui fait un petit peu peur, hein, pour vous. C'est la fin de cette partie 2, hein, qu'on peut dire maintenant du très bon Amnesia. Enfin, du moins, il est quand même assez efficace. Ouais, je coupe parce qu'il est en train de devenir fou, mon personnage. Enfin, j'ai mis pause, quoi. Oui, c'est excellent. Très bon Amnesia. Je pense qu'en 2010, il devait être complètement excellent. Là, maintenant, bon, 11 ans après, c'est un bon jeu. Voilà, on va dire ça. C'est un bon jeu, je vous dis la partie 3 demain, hein, à 21h, voilà. Sur ma chaîne, j'ai rajouté deux excellents films. Pour ceux qui ne connaissent pas, j'ai rajouté Gozu, qui est un très très bon film japonais, et je l'ai mis avec le sous-titrage français à regarder, et j'ai trouvé, j'avais ça sur mon disque dur, une version que j'ai mis en 16/9 en français de Branded. Voilà, de Peter Jackson, excellent film, gore, comédie gore, très très bonne. Donc n'hésitez pas à aller sur ma chaîne YouTube Bosseron14, comme sur mon Instagram. Je mets des films aussi. J'ai aussi Hellraiser en HD, enfin j'ai des trucs pas mal. Il y a le Fatal Frame, pas bon. Je vous laisse découvrir ça. Je vous laisse sur mon excellent générique et je vous dis à demain. Je vous embrasse tous. Tchuss.